ceux qui connaîtraient le spot et qui voudraient faire pareil que nous, franchement, je vous dis directement, ne le faites surtout pas parce que là, on a vraiment mais risqué gros. On aurait pu vraiment tomber et se faire très mal, voire se tuer. Donc, ne recommencez surtout pas ce qu'on a fait. Alors là, comme vous voyez, en fait, il y a une partie qui est détruite, en fait. Hein. Il y a un petit vide, donc vous allez voir. Et en fait, là, la porte là, en fait, ça mène sur une autre pièce. Et en fait, il n'y a pas d'autre moyen pour y aller, en fait. Il n'y a pas d'autre truc derrière, tout ça, on a tout regardé. Et donc, on a été obligé de placer ça pour y aller. Alors, c'est vrai que j'aurais pas du tout pensé à ça. Franchement, les gars, ne faites surtout pas ça parce que c'est vraiment très dangereux. On a pris vraiment de gros risques parce qu'on avait, parce qu'on y va énormément dans ce spot-là et on n'a jamais su aller là. En fait, on savait même pas qu'il y avait une pièce qui était cachée. On s'était jamais pris la tête et on s'était jamais attardé sur cet étage-là. Et en fait, il y avait complètement une pièce, mais quand même assez grande en fait, hein, qui était complètement là, mais inexistante. Alors, c'est pas si c'est un truc qui s'est écroulé ou alors on a fait exprès de retirer. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a toujours été dans ce mystère de qu'est-ce qu'il y a derrière cette pièce. D'ailleurs, il n'y a même aucun tag, hein, donc ça veut bien dire qu'il n'y a quasi personne qui a été là. D'ailleurs, je pense même qu'il n'y a eu personne qui a été là en tant qu'urbexeur, en vrai. Hein. Franchement, je serais même pas vous décrire le sentiment que j'ai eu. Alors, je sais bien, on se dit, c'est pas incroyable le lieu, certes, c'est pas incroyable, mais qu'est-ce que c'était un sentiment, mais de satisfaction, et vraiment un sentiment en mode, moi, j'y croyais pas hein, qu'on allait finir par aller dans cette pièce-là. J'y croyais vraiment pas, mais on l'a fait vraiment, et grâce à mon pote, hein, d'ailleurs, sans lui, je pense pas que je l'aurais fait. Et franchement, je sais bien, vous allez dire c'est un bad spot, il y a rien d'incroyable, c'est vide, tout ça. Mais en fait, c'est la satisfaction de se dire que bah il y a personne, ou du moins très peu de gens, mais vraiment genre très très peu de gens qui ont pu aller là. Alors il y a énormément de gens qui viennent dans ce spot là, mais combien de personnes ont déjà été dans la pièce à côté, quoi, vraiment, et qui auraient pris le risque aussi. Donc franchement, on est grave satisfait en fait, et même si c'est pas incroyable, nous on voit plus loin que juste une pièce vide en fait. Trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my